ton prochain comme toi-même. Mais comment aimer les autres quand on ne s'aime pas soi-même? Et comment s'aimer soi-même quand on ne sait pas qui on est vraiment? Je suis partie en Écosse, seule, pendant une semaine, pour le découvrir. Je suis partie en laissant derrière moi mes enfants, mon homme, mes chiens, ma maison, mes jobs, mon quotidien. Pendant cette semaine-là, j'ai tout quitté, provisoirement. J'ai quitté ma vie pour faire connaissance avec moi-même. Moi qui n'avais jamais ni vécu ni voyagé seule, là-bas, je n'ai fait que passer de l'euphorie aux crises de larmes. Réponse qui sort pour la première fois de sa tour, en somme. Entre émerveillement et culpabilité. J'ai étrangement repensé à plusieurs reprises à ce voyage scolaire en Angleterre, au collège, pour lequel j'avais refusé de partir, trop effrayée à l'idée d'être loin de ma mère. Toute la classe y était allée, mais pas moi. Alors qu'à cette époque-là, j'étais déjà amoureuse du Royaume-Uni. Quand j'étais plus petite, ma mère et moi, on nous appelait Velcro. J'ai longtemps trouvé ça mignon. Aujourd'hui, je sais que c'était surtout un frein. À cause de cet attachement souvent extrême, même quand j'ai été ado, j'ai toujours eu peur du changement, d'être loin sans personne avec moi. Alors, voyager seule, ça me semblait inimaginable. Jusqu'à cette année. Cette année où beaucoup de choses, presque tout en fait, devait et a changé. Moi y compris. Sur la liste des challenges que je voulais tenter et réussir, il y en a plein que je m'émerveille encore d'avoir accompli. Mais voyager seule, et au-delà, savourer le fait de l'être, c'est-à-dire me satisfaire de ma propre présence, étrangement, ça m'avait jusqu'à présent toujours paru plus compliqué que l'expatriation ou l'accouchement à la maison. Mais depuis quelques mois, je veux me dépasser, et je veux le faire plus individuellement. Alors voilà, j'ai passé quelques semaines à tout organiser, seule. Et puis un lundi matin d'avril, j'ai pris mon sac à dos, et je suis partie. J'ai pris l'avion, le bus, le train, la voiture. J'ai sillonné Édimbourg en long, en large et en travers. J'ai marché des dizaines de kilomètres à pied alors que je n'avais quasiment pas fait de sport depuis ma dernière grossesse. J'en ai eu des courbatures. J'ai marché sous le soleil, sous la pluie. Sans me préoccuper de ce que les gens que je croiserais pourraient bien penser de mon allure, de ma tête ou de mes fringues. J'ai mangé seule au restaurant, pour la première fois de ma vie, et accompagnée uniquement d'un bon roman. Je suis allée exactement où j'en avais envie, sans me soucier ni de l'heure, ni de savoir si ça dérangerait quelqu'un. J'ai bu du gin dans un pub bondé de gens et de musique. J'ai mangé du fish and chips un soir, et dîner dans un gastronomique un autre. J'ai sauté d'autres repas parce que j'avais simplement pas faim, sans me demander si ça allait perturber le rythme de qui que ce soit. Je suis allée dans les Highlands. J'ai vu le Loch Ness et son aura enchanteresse. J'en ai pris plein les yeux. J'ai vu des châteaux, des rivières et des forêts féeriques. Des vaches rousses à poils longs, des faisans, des moutons, des cerfs. J'ai même, avec deux autres personnes qui passaient par là, sauvé un agneau. J'ai rencontré des gens que je n'avais jamais vus de ma vie, mais qui pour certains resteront gravés dans ma mémoire et se retrouveront peut-être entre les pages d'un roman que j'écrirai.
J'ai ri, j'ai pleuré. Je me suis tantôt extasiée devant tant de beauté, tantôt effondrée face à cette situation que je n'avais simplement jamais connue. Faire exactement ce que je voulais, comme je le voulais, quand je le voulais. Juste m'écouter, selon mes envies, selon mes besoins aussi. Je ne saurais pas dire si c'était véritablement un bon moment. Parce que je ne saurais pas dire si j'ai véritablement apprécié ma propre compagnie, sur le coup. Je l'ai dit plus tôt, je naviguais constamment entre joie extrême et une solitude teintée de culpabilité. Ce dont je suis certaine, maintenant que je suis de retour dans mon cocon et que j'ai retrouvé mon amoureux et mes petites têtes blondes, c'est que c'était un tournant conséquent dans ma vie. La mienne, ma vie de femme, d'individu. Pas ma vie de maman, d'amie, d'épouse ou de je ne sais quoi d'autre. C'est vrai, ça m'a bousculée, ça m'a bouleversée même, d'aller là-bas sans rien ni personne, en organisant tout de A à Z moi-même. Mais c'était comme un rite de passage, un voyage initiatique. Ça m'a prouvé que je pouvais le faire. Survivre et même vivre et vibrer, sans avoir besoin des autres pour ça. Je suis revenue changée, aussi bien dans mon cœur que dans mon corps. J'ai franchi des étapes que je n'avais jamais osé franchir auparavant, des étapes que j'avais seulement rêvées. Mon seul regret, c'est d'avoir attendu autant pour le faire. Sauf qu'au moins, je pourrais un jour dire à mes enfants à quel point, pour pouvoir être heureux avec les autres, il est essentiel qu'ils se trouvent bien avec eux-mêmes. Peut-être qu'un jour c'est moi qui les pousserai à prendre leur sac à dos et à partir seuls pour apprendre qui ils sont sans les autres, avant d'envisager leur bonheur avec du monde autour d'eux. Ce voyage, j'en garderai toujours un souvenir spécial. Des émotions très fortes, des effets très positifs, en dépit des sentiments contradictoires et un poil extrême qu'il m'a procuré sur place. Ce voyage m'a permis de reprendre mon souffle, de me dépasser, de me découvrir, et aussi, je crois, de faire la paix avec moi-même.